sommes le 8 avril 2021, Yom HaShoah Ve'Hagvura. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Ce matin, à l'occasion du Yom HaShoah, la presse et les médias israéliens sont porteurs de souvenirs, celui des 6 millions de martyrs juifs qui ont péri sous la botte nazie. Oui, effectivement, Laurence, matinée, journée du souvenir avec des quotidiens et des médias israéliens qui nous rappellent qu'à 10h, heure israélienne, c'est-à-dire dans 1h30, une sirène du souvenir de 2 minutes retentira dans tout le pays et qu'ensuite des dizaines de cérémonies de commémoration se tiendront à travers le pays. Ce matin encore, la première page du Yediot Aharonot est particulièrement impressionnante, une première page entièrement consacrée aux derniers partisans. Aux Israéliens qui ont donc combattu durant la Shoah dans les rangs des partisans, dans les forêts d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et qui sont ce matin en photo, en une du Yediot Aharonot. Nous allons leur rendre hommage au moins en citant leur nom et leur âge. Il s'agit de Shimon Grinchhoys, 91 ans, de Litman Mor, âgé de 104 ans, de Yossi Ren, 85 ans, qui a allumé hier un des 6 flambeaux lors de la cérémonie officielle à Yad Vashem, Yaakov Kowalski, 98 ans, le docteur Yitzhak Arad, 95 ans. Mais la photo la plus émouvante, c'est celle qui occupe la quasi-totalité de cette première page, celle d'Avraham Aviel, 92 ans, qui pour la circonstance porte les téphilines qu'il mettait chaque matin dans les forêts avec ses compagnons partisans. Nous sommes, écrivent-ils ce matin, les derniers partisans en vie en Israël, affirme-t-il donc à la une du Yediot Aharonot. Et puis en première page du Israël, Hayom, lui, est porteur d'espoir. Oui, l'espoir de 4 générations, celui de Simcha qui a survécu à Auschwitz et qui a aujourd'hui 98 ans. Elle est entourée de son fils, de son petit-fils qui est aujourd'hui officier de Tzahal et de son arrière-petit-fils. Et Simcha est le symbole de la victoire, du bien sur le mal, de la volonté de vivre face à la capacité d'assassiner. Et à côté de cette photo d'espoir, un message dur, ferme, mais incontournable ce matin en cette période post-électorale en Israël. Un message du grand rabbin Israël Meir Lao, qui est, vous le savez, le président du conseil de Yad Vashem. L'exterminateur nazi n'a pas fait la différence entre un juif religieux et un juif laïque, entre un juif séfarade et un juif ashkénaze, entre un juif de Salonique ou un juif de Sofia ou de Tunis. Il n'a pas fait la différence entre un juif riche comme Rothschild ou bien un mendiant qui aspire à une simple bouchée de pain, écrit ce matin le Rav Israël Meir Lao. Pour les nazis, chaque juif, en tant que tel, était l'ennemi à abattre, le sous-homme à détruire. Malheureusement, écrit ce matin le Rav Lao, nous n'avons pas encore tiré cette leçon de l'histoire. Nous sommes encore et toujours à la recherche de ceux qui nous divisent. Nous faisons des distinctions entre juifs religieux et juifs laïcs, comme nous l'avons fait durant l'épidémie. Durant la Shoah, nous avons su mourir ensemble et nous sommes même devenus des champions en la matière. Malheureusement, pour vivre ensemble, nous sommes encore des novices, écrit ce matin le Rav Israël Meir Lao. Lolek, le plus jeune rescapé du camp de Buchenwald, dans une mise en garde cinglante. Alors, que trouve-t-on, Daniel, dans le reste des grands quotidiens israéliens ce matin ? Eh bien, dans le Ma'ariv, on trouve, Laurence, un rappel mémoriel, celui des dizaines de révoltes qui se sont produites contre la barbarie nazie, la plus connue et bien entendu celle du ghetto de Varsovie, mais elle n'a pas été la seule et il ne faut pas, selon le Ma'ariv, oublier le courage de ceux qui se sont dressés pour échapper aux griffes des nazis. Le Haaretz, lui, se penche sur les états post-traumatiques qui frappent non seulement les rescapés, mais également leurs enfants et parfois même leurs petits-enfants. Et puis Daniel, on trouve aussi de nombreux témoignages de rescapés, des histoires de ceux qui n'ont pas survécu. Oui, des témoignages et des récits qui forment une mosaïque de douleurs, mais souvent aussi une mosaïque d'optimisme, de volonté farouche de vivre pour pouvoir clamer aux oreilles des nazis ou de ceux qui portent encore cette idéologie. Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant, et non seulement il est vivant, mais il vit sur sa terre. Il a son état indépendant, un état
devenue en 73 ans d'existence une véritable puissance régionale, certes dans le domaine militaire, car la Shoah a enseigné l'impérieuse nécessité pour le peuple juif de savoir se défendre et, comme l'a dit hier le président de l'État, Reuven Rivlin, de ne pas confier à d'autres le soin d'assurer sa protection, mais également dans de multiples autres domaines comme la haute technologie, les sciences et, comme l'a mentionné à son tour hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la lutte contre la Covid-19 avec cette campagne de vaccination exemplaire que le monde envie à cet État juif né des cendres de la Shoah et qui apporte aujourd'hui sa contribution à l'humanité. Et d'ailleurs, le Yediot Aharonot nous révèle que l'État d'Israël a proposé à Albert Bourla, le désormais célèbre directeur général du consortium Pfizer, d'allumer la semaine prochaine l'un des 12 flambeaux le soir des festivités du Yom HaAtzmaout. Mais Albert Bourla, qui est un juif d'origine de Salonique, n'a pas pu se libérer pour être présent à cette cérémonie et il se contentera de lancer un message vidéo durant cette cérémonie dans lequel il s'engage à tout faire pour qu'Israël continue à recevoir les vaccins nécessaires. Mais chasser le naturel, il revient au galop et ce matin, envers et contre tout, l'imbroglio politique demeure présent dans les principaux journaux et sites d'information, Daniel. Oui, Laurence, le Yediot Aharonot parle des négociations entamées par Benjamin Netanyahou pour tenter de former une coalition, des négociations dans un champ de mines, titre ce matin le Yediot Aharonot, des négociations qui ont débuté par une rencontre entre Netanyahou et ses alliés orthodoxes et qui vont se poursuivre aujourd'hui par une rencontre entre Netanyahou et Bennett, d'une part, et ce alors que Bezalel Smotrich à droite refuse toujours d'envisager de siéger à côté de Mansour Abbas du parti islamiste arabe israélien. Et puisque nous citions le Rav Israël Meir Lo et son avertissement sur la division au sein du peuple en Israël, Yuval Karmi s'insurge ce matin dans son éditorial quant au mépris ouvertement affiché par le député orthodoxe Israël Eichler envers Gilad Kariv, qui est le premier rabbin réformiste à siéger dans la Knesset. Je ne sais pas qui sait et je ne lui dirai certainement pas bonjour, avait déclaré avant-hier le député orthodoxe Israël Eichler. Pour Karni, cette attitude frôle l'antisémitisme et il est regrettable qu'elle ne se soit pas heurtée à un mur de protestation plus véhément. Quant à Ethan Orkibi dans le Israël Hayom, il suggère à Naftali Bennett de ne pas tomber dans le piège d'Ariel Sharon qui avait, en orchestrant l'expulsion des habitants du Gouche Katif en 2005, accordé une victoire morale à la gauche israélienne. Enfin, Daniel, en marge de cette activité politique, une appréhension sécuritaire. Oui, et cette appréhension sécuritaire, c'est que l'Iran ne tente d'attaquer Israël ou à défaut une cible israélienne à l'étranger en représailles à l'attaque imputée au commando marin de Tzal d'un navire des gardiens de la révolution iranienne avant-hier en mer Rouge. Au sein de la défense nationale en Israël, on estime que l'Iran est capable d'envoyer des missiles et même des drones contre des cibles israéliennes. Et hier, lors de la cérémonie du souvenir au mémorial du Yad Vashem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été très clair, un nouvel accord américain avec l'Iran n'engagera aucunement Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.